Hello. Coucou. La famille. Vous êtes où? Je vais faire des DJ ici. Hello. Coucou mes gens. Allô? Vous ne voyez pas la notification? Connectez-vous. Coucou. Allô, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mes gens, je vous demande de sécuriser ce live et de le partager au maximum. Sécurisez ce live, partagez-le s'il vous plaît. C'est très important. Sécurisez le live, partagez-le. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un bon lundi, hein. Ça veut dire que le travail a commencé. C'est pas facile. Le travail a commencé, les business ont commencé. En tout cas, bon bouillonnement à vous, que ce soit au bureau, que ce soit au marché, que ce soit dans les rues. Bon bouillonnement à vous. Soyez fort, restez concentrés. C'est le début de la semaine. Voilà. Priez beaucoup. Mettez la prière en avant de toute chose. C'est très important. Voilà. Faut pas qu'un enfant de Dieu puisse oublier. Et ceux pour qui ça ne va pas encore, gardez espoir. Voilà. Dieu finira par bénir. Mais quand on dit garde espoir, cherche des solutions. Ça va pas, on dit garde espoir, tu vas te coucher chez toi, tu vas faire jeûne et prière. Et puis tu vas pas l'agresser ton avenir. Si c'est ça aussi, c'est pas maintenant ça va venir. Tu gardes espoir. Et puis pendant ce temps-là, tu réfléchis, tu crées des choses. Moi, je vous ai déjà dit ici. Même 20 000 francs, on peut devenir quelqu'un de puissant demain. Ça, c'est l'introduction. Par le temps que les gens se connectent et tout, je profite à parler un peu. Voilà. Même avec 20 000 francs, on peut devenir quelqu'un de puissant demain. Tout dépend de ta vision, tout dépend de ta persévérance, tout dépend de ce que tu fais avec ces 20 000 francs-là. Donc, c'est très important. Si tu manques d'idées, viens dans mon inbox. Ça me fera plaisir de te guider, de te conseiller avec tes 20 000 francs. Dis comment tu vas te réaliser avec ça. Voilà, il ne faut pas attendre d'avoir des millions. Coucou Florence Sokouri, j'espère que ça va. Partagez ces cuisines là aussi. Vicky La Fortune, j'espère que ça va. Voilà. Donc, partagez, sécurisez. On commence le live dans exactement 2 minutes. Alors, la famille, pour ceux qui ne sont pas encore venus me voir au No Stress Resto Bar, je vous attends. Vivra Pamuret, programme 4. Une seule adresse, c'est chez Maya. Venez afin qu'on passe de bons moments. Venez. Bientôt, on va organiser une sortie là-bas. Restez concentrés, mes gens. Je vous dis, bientôt, dans le mois de novembre, on va organiser une sortie au No Stress. Je vous dirai. Et puis, voilà, on va voir comment gérer ça. Salimata Paré, j'espère que ça va. Conan Kwame Jean-François, j'espère que tu vas bien. Partagez, sécurisez le live si. Voilà. Alors, les grouilleuses qui sont sur ce live-là, les soldats du cœur de la Minute Santé de Maya, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de millions pour investir. Ceux qui attendent d'avoir 500 000 francs, 1 million pour investir, là, c'est la mauvaise affaire. 2024 va venir te trouver à la même place. 2025 viendra te trouver à la même place. Voilà. Blandine Lewis, j'espère que ça va. Faut oser, faut se lancer avec le plus qu'on a. MC Belly, j'espère que ça va. Alors, convoquez-moi les défenseurs de Emmanuel Keïta, s'il vous plaît. Les défenseurs de Emmanuel Keïta, convoquez-les-moi. Arlette, ma coffee, ma chouchouni, sois salue depuis ta position. Convoquez-moi les défenseurs de Emmanuel Keïta, s'il vous plaît. Je ne vais pas être longue sur ce live-là. Alors là, le temps est un peu menaçant. Vous voyez, non? Ma mission, t'es bipé mon mari depuis là. Je ne sais pas ce quel travail il est en train de faire. Depuis, c'est lundi. C'est lui celui la réunion, c'est lui celui il est occupé. Attends, le temps est flou. Quand le temps est flou comme ça, il faut rester à la maison. Comme il ne veut pas rester à la maison, je vais faire live. Et il va me voir live, il va venir à la maison. Coucou Enda Chantal, j'espère que ça va. Sécurisez, partagez ce live. Convoquez-moi les défenseurs de Emmanuel Keïta. Il y a réunion, regroupement. Il y a réunion. Les défenseurs d'Emmanuel Keïta, il y a réunion. Regroupement. Venez. On va se parler la vérité. Aïda, tiendrait. Il ne faut pas me mettre par là, ben le Burkinabé. Aïda, je n'aime pas ça. Ton nom, là, toi, même quand tu écris là, tu peux lire. Aïda, tiendrait Beogo. Il y avait blessé. Ça va aller depuis ta position. Coucou, la famille. Coucou. Les fans de Yves Doro, là, quittez le live. Pour vous, c'est jeudi. Quittez le live. Donc, vous pensez que vous avez gagné le match comme ça.
Quand c'est qu'elle son ami bim, c'est qu'elle son ami 1-0, c'est qu'elle son ami 1-0. Est-ce que nous on est pressé sur vous? Nous on n'est pas pressé sur vous. C'est-à-dire qu'on vous, c'est-à-dire qu'on vous a blagué, on avait ça à part. Parce que si on avait trop déjà foutu sur elle d'une manière, elle allait pas nous accepter jeudi là-bas. Parce que son émission, c'est elle qui commande. Mais nous, c'est nos pieds, puis c'est nos bouches aussi, c'est nous, on dirige. Donc si on avait fait d'une manière, elle allait dire, on veut, ne venez pas m'humilier des émissions. Donc on a fait attrape Nigo. Quand on a lancé le filet comme ça a attrapé le gibier là-bas, que tchouk, elle a vu que. Elle pensait qu'elle peut avoir le dessus. Elle dit que bon, jeudi d'Halloween, vous venez, c'est jeudi là. Elle va lui laisser le calendrier chinois. Donc, quittez ici d'abord, allez vous reposer. Vous, on va vous prendre jeudi sur NCI là-bas. Ça va se casser. Ceux qui n'ont jamais dit à votre voix là-bas dans ses yeux, dans ses deux yeux là, on lui dit ça sur le plateau là-bas. Dès que j'arrive en même temps, je commence à attaquer ses bras. C'est-à-dire que ses bras seront opérés devant la nation. Donc, si vous êtes malin là, commencez à prendre gain. Vous allez mettre sur ses bras avant jeudi. On vient la trouver là-bas. Sécurisez, partagez le live, on va commencer. Sécurisez, partagez le live. Sécurisez, partagez. Oh. Aya, sécurisez, qu'à partager, qu'à quel pompe, on va aller vite. La famille, j'espère que vous allez bien. Dernière information avant de commencer ce live-là. Alors, il y a quelques temps en arrière, j'ai fait un post sur ma page, un post d'immigration sur le Canada. Alors, j'avais dit ici que la personne avec qui moi je travaillais prenait 8 personnes. J'ai essayé de manager, on a mis à 10 personnes. À 10 personnes, on était obligé de fermer voilà, les dossiers des autres personnes. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, mais à qui que j'ai cancellé, voilà, que j'ai annulé malheureusement. Vous savez, cette personne-là, il peut prendre 50, il peut prendre son dossier parce que vous savez que vous m'avez appelé à plusieurs. Mais c'est quelque chose, s'il s'engage là-dedans, il ne pourra pas respecter, il ne pourra pas satisfaire tout le monde. Il ne pourra pas. Ce n'est pas une machine. Voilà. Donc, il y a des coins qui font ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont désespérés, qui à la fin, ils pleurent leur argent. Parce qu'ils sont allés donner leur argent là-bas à des gens qui ont voulu avoir les yeux plus gros. Ils ne peuvent pas respecter certains engagements. Ils prennent votre argent parce que c'est là. Et puis, vous promettent la lune. Et à la fin, vous n'avez même pas un grain de sable. Donc, ce monsieur-là, il a dit 10 personnes. Voilà. Brian, non, laisse ça. On va aller s'expliquer, elle, là-bas. C'est humiliation dans humiliation. Elle nous humilie, on l'humilie, froid, et puis on dépose ça. Ça n'a même pas chauffé. Mais sinon, ce n'est pas ça l'esprit. L'esprit est plus positif que ça. Hein? C'est pas ça l'esprit. T'inquiète pas. Donc, voilà, ce monsieur-là, pour revenir à lui, lui, il a dit 10 personnes, c'est les 10 personnes qu'il peut gérer. C'est les 10 personnes, il sait qu'il ne va pas taper poteau. Et je mets quiconque au défi, qui a déjà fait ses papiers avec nous, qui va venir dire que lui, il a tapé poteau et nous, ça n'existe pas. Voilà. Il y a un an et demi en arrière, on a pris 5 personnes, les 5 personnes, on les a fait partir. Voilà, comme je dis, les noirs là, ils sont méchants. L'homme noir est méchant. Quand ils s'en vont, quand ils arrivent là-bas, quand on veut prendre leurs choses pour parler, ils ne veulent pas. Parce que c'est comme s'ils ne veulent pas que leurs amis, leurs familles sachent quel réseau ils ont utilisé. Afin de réseau là, c'est devenu secret. Donc personne n'aime s'afficher. Mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Si quelqu'un avait tapé pour toi et nous, je pense qu'il y a longtemps, nous allons être détruits sur la toile ici. C'est ça le vrai point. Donc la famille, comme je disais, si je suis en train de rapper comme ça, les 10 personnes qu'on a pris, il y a une dame, elle faisait visiteur. Elle faisait visa visiteur. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue pour le permis de travail. Elle n'est pas venue pour un visa étudiant. Elle n'est pas venue pour travailleur. Elle n'est pas venue pour étudiant. Elle est venue pour visiteur parmi les 10 personnes. Et Dieu merci, c'est dit que c'est nous, c'est la force de frappe. C'est la puissance qui respecte la puissance. Dieu merci, ça a été accéléré. On nous a appelé, c'était le vendredi. Jeudi ou vendredi, là, on nous a appelé pour nous dire de déposer son passeport afin qu'on puisse mettre son visa là-dedans. Donc, là, son passeport est parti. Voilà, ils vont aller mettre son visa dedans. Pour elle, c'est un acquis. Donc, on descend automatiquement à 9 personnes. J'ai parlé avec le monsieur en question. Il a dit qu'on pouvait envoyer une dernière personne encore. Donc, merci, je suis Ropero Pia. Eric, je suis Ropero Pia. Si ça ne te plaît pas, va au lac, ça y est, mange mon vomi, et puis il me met dans ma bouche, et puis il y a vaille. Mais je ne traîne pas avec les gens qui ont insulté mes parents. Faut être fou, c'est ça, c'est une question de principe dans la vie. Je préfère manger mon vomi si elle est innocente que de flirter avec la personne qui a insulté mes parents. La personne qui a organisé, la personne qui est à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des innocents en prison. Laissez-moi y terminer mon affaire d'avenir des gens. Donc de 10, on tombe automatiquement à 9. 9, le monsieur m'a dit de remettre ça à 10. Voilà, parce que la personne là qui vient d'avoir son visa, on a demandé le passeport, c'est un acquis. Pour elle, c'est un acquis, il n'y a plus de réflexion dedans. Donc, ces personnes là qui sont intéressées, en tout cas, visa visiteur, c'est très rapide. Quand les dossiers sont complets,
ça va très vite. En 2 semaines, 1 mois, on vous sort ça. C'est chap-chap. Plus les dossiers sont complets, plus c'est chap-chap. Donc, à toute personne, celui qui a envie de faire soit un visa visiteur, soit étudiant ou travailleur qui veut immigrer au Canada, il nous reste une seule personne. Voilà, il nous reste une seule personne. Donc, le premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Moi, je garde pas place de kéké. Voilà. Premier arrivé, premier servi. Finani Fadiga, sois salué ma mère depuis ta position. Premier arrivé, premier servi. Donc là, c'est ouvert jusqu'à ce que on trouve la personne. Quand on trouve la personne, on ferme. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 0779-170702. 0779-170702. Appelez-moi et puis on va gérer ça. Si vous voulez faire votre avenir à l'étranger, sachez à qui vous confier. Il y a beaucoup d'anacos. Il y a des gens qui vous prennent 6 millions, 5 millions pour aller au Canada. Si tu as déposé 6 millions pour aller au Canada, arriver là-bas, à quel moment tu as amorti l'argent? Restez concentrés. Les vraies maisons qui ont fait partie sont là. Si ce n'est pas l'original, on va pas se mettre sur les réseaux sociaux pour vous parler ici. Ah. Donc les choses, on vous fait dans l'ombre là. Et puis on vous chicote dans l'ombre et puis vous ne pouvez pas vous plaindre là. Quittez là-bas. Alors la famille, on va commencer le live. Bipez-moi les gens. Les gens qui... Oh là là. Bipez-moi ces gens-là. Les gens qui défendent Emmanuel Keïta, là, bipez-les-moi. Voilà, bipez-les-moi. Alors la famille, je vous dis quelque chose. À ces gens-là, sécurisez, partagez le live, si c'est très important. Sécurisez le live, partagez-le, c'est très important. À ces gens-là qui défendent Emmanuel Keïta, à ces gens-là qui aiment réellement Emmanuel Keïta, à ces gens-là qui sont choqués de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ces jours-ci, où on a une personne, je ne sais même pas si je dois dire une dame ou bien, parce qu'elle ne mérite même pas d'être traitée comme un être humain. On a quelque part en France là-bas, qui s'est levée, qui a fait une vidéo où elle disait avoir dénoncé les enfants de Emmanuel Keïta. Elle disait avoir dénoncé le fait que cette femme-là ne soit pas auprès de ses enfants parce qu'elle est venue travailler, parce qu'elle est venue pour son travail. Elle a dit qu'elle allait dénoncer ça. Et elle se sent fière de ça. On a cette ordure-là qui prend sa caméra, qui avec fierté réclame. C'est-à-dire qu'elle réclame l'acte qu'elle a fait. Et elle dit qu'elle en est fière. Voilà, elle est fière de ce qu'elle a fait. La famille, on a tous vu la vidéo, ouais. Sur Internet ici là, ce qui se passe là, tout le monde voit. Est-ce que vous m'avez vu sortir? Alors là, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de framponner ceux-là plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un, sur la toile à l'heure, qui a envie de le framponner plus que moi. Vous voyez que chaque jour, ils font des vidéos sur moi. Chaque jour, ils insultent mes parents là-bas. Mais est-ce que vous m'avez vu insulter leurs parents? Je vais vous expliquer quelque chose. Alors ça, je m'adresse au défenseur d'Emmanuel Keïta. Dans la vie, il faut savoir quelque chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est un conseil que je vais vous donner. Vous savez, par le passé, Emmanuel Keïta a traduit certaines personnes en justice. Et puis, elle n'a pas gagné. Vous savez pourquoi elle n'a pas gagné? Parce que ces gens-là sont venus avec des vidéos en retour. Ces gens sont venus avec des soi-disant preuves en retour où on entendait des gens qui défendaient Emmanuel Keïta, qui insultaient l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui défendaient Emmanuel Keïta les insultaient, elles aussi, elles ont insulté. Donc on a dit que c'est un jeu entre les deux camps. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'attaquer sur les réseaux sociaux. L'affaire n'est pas allée quelque part. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si à un moment donné, vous voulez que votre personne, Emmanuel Keïta, puisse traîner des gens en justice et puisse sortir gagnante, c'est-à-dire qu'elle soit victorieuse de cette bataille-là, il faut avoir un certain comportement à tenir. Souvent, quand elle vous parle là, écoutez-la fort. Elle vous dit la vérité là, elle vous parle en toute sincérité. Quand elle vous parle, écoutez-la fort. Je vous donne un exemple. Quand Bamene a insulté mes parents, je lui ai dit quoi? Que mes parents regardent, comme j'ai dit, les procédures sont en cours. Moi, j'ai dit, c'est sur Facebook ici, on va voir comment cette affaire-là, ça va finir. Mes parents ont décidé de ne pas laisser et que ce sera appliqué. Et c'est en train d'être appliqué. Chacune va recevoir, ma mère va recevoir sa lettre chez elle à la maison. C'est simple.
Mais regardez comment elle m'a poussé à bout. Elle a fait plus de 10 lives sur moi. La mère de Maya, la mère de Maya, mère de Maya, parents de Maya, mère de Maya. Je n'ai pas insulté ses parents. Quelle affinière a fait la passe à Alligator? Parents de Maya, parents de Maya, parents de Maya. Dans mon téléphone ici où je suis là, on m'envoie tous les dossiers sur les parents d'Alligator. Tout. C'est moi qui vous dis. De la photo à l'histoire de leur vie, comment ils souffrent, tout jusqu'à la fin. Si elle veut gâter, elle veut gâter tout ce là. Mais si j'ai gâté là, est-ce que je vais atteindre mon objectif? Non, je n'ai pas atteint mon objectif. Parce que quand mes parents seront au tribunal, là, eux, ils vont faire sortir, ils sont en train d'insulter leurs parents, ou ils sont en train de mettre les photos de leurs parents, et puis ils vont montrer ça là-bas. On va dire que c'est gâte-gâte qu'on est en train de faire entre nous. Les juges ne vont pas s'asseoir pour regarder qui allait commencer, qui a fini. Ils vont dire que c'est gâte-gâte. Il faut qu'il y ait un juge de parents ici, un juge de parents ici. Ils vont dire qu'on est en train de faire gâte-gâte. Ça va pas aller quelque part. Et elles le savent. Et je le sais aussi. Voilà. Parce que quand ça s'est passé avec Emmanuel Keïta là, je sais comment elles ont fait pour se défendre. Alligator m'a expliqué. Donc je connais les failles. Non, c'est moi qui ai fait colle là comme ça, ma chérie. C'est moi qui ai fait comme ça. Parce qu'il est chaud. Sinon, normalement, les cols sont comme ça. Restez concentrés. Les cols sont comme ça. Oui, non. Mais là, comme j'ai chaud, j'ai ouvert un peu. Restons concentrés sur le message. Restons concentrés sur le message. Est-ce que vous comprenez? Elles savent que je connais comme elles font. C'est pour ça que, quel que soit ce qu'elles ont dit sur mes parents, vous pensez qu'ils n'ont pas vu. Je les ai bloqués. J'ai bloqué les notifications. Et j'ai dit à mes petites que quand vous voulez vous enregistrer, quand vous voulez vous enregistrer, à chaque fois que vous enregistrez, je ne vais pas insulter les parents de quelqu'un. Parce que je sais ce que moi je veux. Ce que je veux, c'est que la bouche qui insultait mes parents soit derrière les barreaux et ne voit plus le soleil jusqu'à la fin de ses jours. C'est tout. Et si je veux que ce que je veux soit appliqué, si je veux redonner l'honneur de ma famille, s'il faut que je la voie derrière les barreaux et que j'aille la saluer là-bas. C'est ça le vrai point. Mais une fois que je tombe dans son jeu, une fois que je tombe dans son piège, que je me fais justice moi-même, alors je ne peux plus avoir recours à la loi. Une fois que tu te fais justice, tu ne peux plus avoir recours à la loi. Tu ne peux plus chercher la loi pour te donner justice, satisfaction. C'est pour ça, c'est à malin, malin et demi. Il faut être très stratégique. La personne qui te fait, c'est quelque chose d'un certain degré dans ta vie, tu plies cette personne-là en deux avec la loi, avec le droit, et puis tu déposes la personne où tu dois déposer la personne. Alors ces personnes-là, oh, faut les laisser envoyer tête de mort. Ils savent que je suis dans la vérité. Écoutez-moi bien. Les personnes qui sont en train de défendre EK, si vous l'aimez, que ce que la fille a fait, venir donner son adresse sur les réseaux sociaux, ce qu'elle a fait, ça vous fait mal, non? D'accord. Taisez-vous. Dénoncez juste. Vous dénoncez juste. Ça veut dire que ce qu'elle a fait, vous prenez, vous montrez aux yeux des gens. Vous montrez leur comportement aux yeux des gens. Voilà ce qu'ils font. Et puis c'est tout. Ne rentrez pas dans un jus avec quelqu'un. Ne rentrez pas dans un jus avec quelqu'un. Laissez-les se manifester. Laissez-les insulter. Laissez-les montrer leur visage. Laissez-les montrer de quoi elles sont capables. Vous enregistrez, vous mettez, vous montrez à la nation ce qui se passe, ce qu'elles ont fait. Et les conséquences, ça va se passer devant la loi. Souvent aussi là, donnez la force à Emmanuel Keïta d'appliquer un peu. C'est-à-dire que donnez-lui la force d'appliquer. Quand moi j'ai été convoqué à la PSCC là, j'ai pris aussi où on m'a insulté là. Et puis j'ai envoyé. C'est pas allé quelque part. Souvent on fait même effort. Hein? C'est pour ça que je vous dis, donnez-lui la force d'appliquer. Si vous l'aimez réellement, quand vous parle, quand vous dites souvent snobé, snobé, c'est parce que c'est en snobant que vous allez l'aider à appliquer. Begré l'original, sois salué depuis ta position, mon frère. Snobé, c'est en snobant que vous allez lui permettre d'appliquer la loi. Je vous fais un vrai point. Donc, ça ne sert à rien. Je suis écalante, ma chérie. Faut bien m'écouter. Avant même, je n'étais pas écalante.
Avant là, je défendais une Ivoirienne qui s'est fait frapper devant l'école de son enfant. Mais aujourd'hui là, je t'ai dit, ils n'ont qu'à commencer à me compter dans l'écalon de là-bas. Je suis là, moi-même je viens prendre poste de sous-chef. Je suis là, je suis écalon. Si ça te dépoile, tu en fais ce que tu veux. Je suis écalon, bien. Aujourd'hui, moi-même je vais se déclarer. Je suis écalon. Tu mets ça où tu veux. Voilà, ça c'est mon deuxième poste sur la toile ici. Quand j'ai fini de faire mon travail ici, là, je rentre là-bas et puis je travaille là-bas. Je suis écalon. Voilà. Est-ce que vous comprenez la famille? Snobé! Alors, ces personnes-là qui disent être dans la sincérité, on voit tout ce qui se passe. Vous n'avez pas remarqué, moi je vais m'adresser à certaines personnes. Parce qu'il y a des gens, ils aiment juste jeter leur dévolu hein, sur les personnes qui ne leur répondent pas. Sur les personnes qui pensent être faibles. Quand Toumou était aux côtés de EK, celle-là, on a vu que on appelait dans les écoles des gens. Ils allaient jusqu'à appeler dans les écoles des gens. J'avais dit leur nom, on va même pas dire tout nous même. Faut qu'on sache. Cette vidéo-là n'a qu'à partir devant la loi. Faut qu'on sache ce que chacun fait. Quand Laurentia était aux côtés de Eukala, est-ce que vous n'avez pas vu que celle-là, l'enfant créa disait qu'on appelait dans l'école de ses enfants pour aller dénoncer. C'est dans cette période-là. On appelait dans l'école de ses enfants pour aller dénoncer. Vous n'avez pas vu qu'on appelait dans le travail des gens? Ils appelaient dans le travail des gens pour aller faire des choses. Quand je vous dis que c'est celle-là qui organisait tout aux côtés de cette femme-là. La femme était sous son emprise. C'est une vipère tout simplement. Quand un cas s'est dissocié d'elle et puis l'a jeté à la poubelle. A dit que je ne veux pas que tu fasses, je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. Soyons justes. Quand il y a la vérité là, faut dire. Je vais vous dire quelque chose. C'était très compliqué de les dissocier parce qu'elle était trop proche de la dame. Elle était tellement proche de la dame que quand quelque chose arrive comme ça, tu penses automatiquement à la dame. Tu te dis si ce n'est pas la dame, ça ne peut être personne. Mais elle, on l'avait oublié. Elle était tellement proche de la dame et elle détenait beaucoup de secrets de la dame. C'était son ami. C'est comme affaire de Blaise Compaoré et puis son ami là, Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara chie quelque part, tu vas mettre Thomas Sankara, tu baisses ton parole, le poison est derrière. Il ne faut pas parler de politique. Oh. À la dernière minute, là, elle s'en a pris le pouvoir. Attendez, il y a des têtes. Supprimez la partie, là, s'il vous plaît. Je ne fais pas de politique. Supprimez la partie, s'il vous plaît. Je ne fais pas de politique. Pardonnez, je suis en politique. Ayez pitié de moi. J'ai un enfant, s'il vous plaît. Ah, ça, vous comprenez? C'est-à-dire que le poison était proche. Maintenant, remarquez, sécurisez-moi le live si partagez-le. Quand le poison est quitté à côté d'elle, quand le poison s'est retrouvé de l'autre côté de la frontière, quand Laurentia a pris ses bagages, ses petits sachets bleus, et puis ils l'ont chassé, elle est partie à ces sachets bleus-là. Regardez aujourd'hui, qui est en train de dénoncer les enfants des gens? Qui est en train d'appeler pour dénoncer les enfants des gens dans les services sociaux? Qui est en train de donner l'adresse d'Emmanuel Keïta? Qui le fait? C'est de l'autre côté. Vous regardez. Si vous voulez rester dans votre soi-disant coalition pour détester la dame en vain, gratuitement, faites-le. Il n'y a pas de honte à reconnaître son erreur. Cette trompée-là. On va comprendre cette erreur-là. Parce que la mauvaise personne était trop proche de la dame. Donc, ça peut arriver qu'on se trompe. Elles étaient très proches. Mais quand vous réalisez que vous vous êtes trompé, assumez. Dites que vous vous êtes trompé. À un moment là, il y a plaire aux hommes et puis à plaire à son Dieu. C'est très important. Vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyante. Vous êtes des croyants, tout c'est quoi. Reconnaissez que vous vous êtes trompé. Vous-même, vous voyez que vous êtes en train de flirter avec la tête du diable. Vous êtes avec la personne qui a insulté vos enfants, qui a appelé dans l'école de vos enfants, qui a organisé tous les scénarios sur vous parce qu'elle était à l'autre côté là-bas. Celle qui était la chargée de communication. Ça veut dire qu'aucune communication ne se faisait sans son avis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne vous rendez pas compte que quand elle est avec vous, c'est le même mode d'emploi qu'elle utilise. Aujourd'hui, là, elle a fait la passe à une perdue de la société. Quand tu la vois dans son live, excitée comme une folle à qui on doit donner des comprimés, elle doit enterrer sans psychiatrie. Elle agitait dans son live comme un verre de terre sur qui on a mis le sel. En train de gesticuler, faire du fétichisme en live, porter des habits, on ne sait pas de quel genre. S'agiter comme si elle était en transe. Elle a pris la plus malade, la plus cinglée du groupe.
Celle-là même qui est au tête de personnalité. Et puis elle lui a donné l'adresse de Manuel Keita pour qu'elle fasse le sale boulot. L'adresse de Manuel Keita pour qu'elle fasse le sale boulot. Ça ne vous rappelle rien. Ça ne vous rappelle pas ce que vous avez vécu dans le temps. Soyez quand même smart dans la tête. Ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas que c'est les mêmes choses. Mais pourquoi vous vous avez dénoncé? Vous avez dit qu'on est en train de faire ça sur vous. Et puis elle, elle est avec vous là-bas. Elle vous envoie faire les mêmes choses et puis vous le faites. Il n'y a même pas une qui va réfléchir pour dire que, ah, depuis qu'elle est quittée avec Emmanuel Keita, la fille, elle est calme. La fille, elle travaille, elle bosse, elle s'investit dans ses activités, dans son show télévisé. On ne parle même pas d'elle, on n'entend même pas parler d'elle, il n'y a aucun scandale sur elle. Mais depuis que le problème se retrouve avec vous, regardez comment on vous voit sur les réseaux sociaux maintenant. Vous me regardez votre vie. Est-ce que ce n'est pas comme ça la vie de Manuel Keita avant? Vous me regardez-vous. Regardez-vous. En train d'appeler dans les trucs, dans la vie des gens, épaule des gens, mettre adresse des gens. Mais c'était son travail aux côtés de EK. C'est celle-là qui créait le problème entre EK et puis ses frères. C'était son travail qu'elle était aux côtés de EK. C'est ce travail-là qu'elle est en train de faire avec vous. Ouvrez les yeux. Quand vous dormez la nuit, là, demandez à Dieu de vous donner le discernement. C'est important. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Sinon, vous n'avez rien fait. Vous êtes en train de poser, de vous amuser avec la personne qui a mélangé votre vie. Et quand elle vient, vous commande encore pour mettre dessus. C'est elle qui est votre chef. Elle vous commande. Des mères de famille comme vous, comme ça. Réfléchissez un peu. Ne soyez pas haineuse. C'est quelle haine que vous transportez qui vous empêche de faire la part des choses? C'est quelle haine qui vous empêche de voir la réalité? Vous partez vous allier avec le diable qui a mangé vos enfants, tapé dans les os de vos enfants hier. Mais vous partez faire une coalition avec cette personne-là pour venir détruire votre soeur ivoirienne. Hé! Hey! Nous en Côte d'Ivoire, là, on n'est pas comme ça. Vous êtes quel genre d'ivoirien? Nous en Côte d'Ivoire, là, on a des problèmes entre nous. Et puis on règle ça entre nous, si on peut ici. C'est quoi? C'est un genre de comportement maintenant jusqu'à on est tellement en quête de haine qu'on va aller s'associer avec l'ennemi principal pour venir traiter notre soeur. C'est quelle gloire vous cherchez dans ça? Vous cherchez quelle gloire dedans? Et puis en plus, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Et je vous dis, au moindrement qu'il y aura problème dans la votre coalition, là, quand ce poison des femmes là, qu'elle va s'élever et puis elle va attraper un autre groupe où elle va s'accrocher, vous allez voir que les injures de maman, les caricatures, vous allez voir que dénonciation dans la vie des gens, ça va se retrouver ailleurs. Parce que où elle va, elle se déplace avec ça. Qu'elle va quelque part, elle prend son mauvais comportement et puis elle va avec ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une vie difficile. Il y a des enfants, on les appelle les enfants à problème. Depuis leur enfance, ils sont à problème. On doit prier pour elle, faire genre les prières de délivrance. C'est une personne à problème. Quand elle était chargée de communication dans la vie de la femme. Voilà. Attendez, je vais enlever quelque chose là. Quand elle était chargée de communication dans la vie de la femme, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait comme dégâts? Moi-même, je suis devant vous ici là. Quand j'ai eu mon problème dans le passé avec EK, chargé de communication, qui doit suivre ton image, ton éthique, c'est elle qui rentre dans une box de gens et puis elle te dit que les stars ne se justifient pas. Une personne vient, regardez comment elle a le problème de sa star. Les stars ne se justifient pas. Il y a quelqu'un qui dit, donc au moment de Aïcha Diomandé Chambellin, c'est aussi elle. Ma chérie, tout le monde a des problèmes sur les réseaux sociaux ici. Il faut faire la part des choses. Moi, mais je suis en face de toi là. J'ai eu des problèmes ici. On te parle de rentrer dans la vie des gens. Quand il y a eu l'histoire de Aïcha Diomandé sur la toile ici là, est-ce que tu as vu ça l'appeler dans l'école des enfants de Aïcha pour aller parler là-bas? Si Laurentia était à ses côtés pendant cette période, ils auraient appelé dans l'école des enfants de Aïcha. Ils auraient caricaturé les enfants de Aïcha. Est-ce que tu comprends un peu? Sur la toile là, on a tous des problèmes. Il y a des petites prises de tête qu'on a entre nous. On vient, on se bamboue un peu. Et puis demain, on rit ensemble. Quand on se voit dehors, on rit ensemble.
Et c'est parce que vous n'êtes pas concentré. On rit ensemble, mais petite vidéo d'amusement, on a fait une vidéo, on pensait que c'est vrai, vrai. Quand on se voit dehors, on pose. Il y a des attachements entre Ivoiriens. Mais à partir du moment où on commence par détruire nos vies, où on commence par rentrer dans la vie de la personne, chercher à nuire à la personne, attention, ça, ce n'est pas le comportement des Ivoiriens. Je vais même dire que ce n'est pas le comportement des Gabonais. Parce que dans tous les peuples, il y a les bons et puis il y a les mauvais. Ce poison qui est là, là, elle sème beaucoup de problèmes. C'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise fille. Elle a des antécédents dans sa vie. Elle traîne des traumatismes. Partout où elle s'en va, elle détruit. Partout. On est là sur la police, non? Vous allez voir que sa copine Nadège là, elle va la détruire bientôt. Parce qu'elle ne sait pas se poser. Elle ne sait pas réfléchir. Sinon, en temps normal, toi tu dis que toi ton travail, c'est de faire de la communication auprès des influenceurs. Est-ce que toi tu dois rentrer dans une histoire comme ça sur les réseaux sociaux? Si tu es une femme réfléchie. Est-ce que toi, ton image, le travail que tu fais, te permet de rentrer dans une histoire comme ça sur les réseaux sociaux? Déjà, c'est non. Mais elle est tellement impulsive, c'est elle qui faisait l'impulsivité qui se trouvait aux côtés de EK. Souvent, elle avait des réactions, même les gens ne comprenaient pas. Voilà ça. Voilà ça devant vous ici. Elle est tellement impulsive, elle est tellement dans la négativité, elle ne se contrôle pas, elle perd le contrôle. Elle soit met sa caméra, elle commence à dire tout et n'importe quoi. Sans penser même que ça va rattraper son travail de demain. Bon, demain là, toi tu vas aller te coller à quel influenceur pour dire que tu vas venir faire quelque chose. Toi tu vas te coller à quel influenceur pour dire que tu vas venir arranger sa vie. Je vois quelqu'un qui est en train de mettre un délit sur moi, que toi tu étais dans la coalition. Quand tu as vu votre sale photo de coalition, on a dit ma vie dedans. Tu m'as vu dans la coalition. Je n'ai jamais fait partie de la coalition. Elle-même vous dit ça, écoutez l'effort. Je n'ai jamais fait partie de la coalition. Voilà. Ils m'ont fait des appels d'offres. J'ai décliné. Très simple. Et je l'expliquais dans mon live précédent. Il y a tellement décliné qu'à un moment, là, elle commençait à se méfier de moi. Elle ne me disait plus rien. Donc, je sortais maintenant. Y'a Lucille, y'a Lucille. Pour leur faire croire que je suis là-bas, pour qu'elle n'ont qu'à me donner les informations. C'est quand j'ai su qu'il y avait une Camerounaise qui était derrière que genou qui est partie. Dans la vie, il faut bouger ton cerveau. On n'est pas tous bêtes comme toi. C'est ça le vrai point. Sinon, si on voulait faire partie de la coalition, tu allais voir ma photo là-bas. Il faut bien lire les visages qui sont là-bas. Tu m'as vu dedans. Tu penses qu'on est tous bêtes. Il y a longtemps qu'on a commencé à comprendre qui est derrière. Il fallait juste checker la séparation pour voir comment ça allait se passer. Et voilà ce qui est en train de se passer maintenant. Il fallait checker la séparation pour voir ce qui est en train de se passer. Vous pensez qu'il ne pouvait pas vous allumer. Pourquoi vous n'avez pas allumé? Ne te pose pas cette question-là. Hein? Pourquoi vous n'avez pas allumé? Tu ne te poses pas cette question-là. Il faut réfléchir avant de parler. Mais tu veux que quelqu'un contrôle ma bouche ici. Alors la famille, je vous le dis. Moi, quand je te réponds, c'est une fois. Je ne réponds pas deux fois. La famille, ceux qui aiment vraiment Emmanuel Keïta, moi j'ai pu mettre ma bouche dans cette affaire-là. Ce conseil, je vous donne. Dans la vie-là, on peut te donner conseil. Si vous l'aimez vraiment, ne répondez plus. Si vous l'aimez vraiment, quand ça se passe là, vous venez dénoncer. Ah, voilà ce que Laurentia est en train de faire. Laurentia a donné l'adresse de Emmanuel Keïta. Laurentia a envoyé les gens, envoyé telle fille, aller appeler les services sociaux, aller raconter du faux, prêcher le faux sur la vie de la dame. Parce que tout le monde sait qu'elle est en train de travailler ici et que ses enfants sont très bien gardés. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Vous prenez, vous dénoncez. Vos vidéos là vont servir au procès demain. Vous dites que tout le monde a vu ce qui se passe, tout le monde a dénoncé ce qui se passait et qu'il y avait un acharnement, il y a un acharnement sur la vie de la dame. C'est ça le vrai point. C'est pas à tout qu'on répond. C'est pas parce qu'on ne répond pas que ça veut dire qu'on est faible. Souvent là, il faut être stratège. C'est une stratégie. Si tu vas attraper ton gourou, si tu vas attraper ton client, il faut être plus intelligent que lui. Voilà. Sinon, tu ne l'auras pas. Ça te fait mal. À moins que vous décidez de régler ça un jour contre un jour. Là, vous pouvez y aller. Là, il n'y a pas à faire de justice derrière. Mais si vous voulez aller en justice,
c'est pas la peine de répondre. C'est pas à tout qu'on répond. Parce qu'elles vont prendre ça demain. Donc, c'était mon petit conseil. Voilà, c'était mon petit conseil que j'étais venue vous donner. Donc, prenez soin de vous, la famille. Comme j'avais dit, comme je l'ai redit, pour ceux qui veulent immigrer au Canada, il y a une personne à qui on vient de déposer son passeport. Voilà, le coursier allait déposer son passeport pour qu'on mette son visa. Donc, on est redescendu à 9. Donc, il nous reste encore une place. Pour ces personnes-là qui veulent aller étudier au Canada, visiter le Canada ou travailler au Canada, vous m'appelez au 07 79 17 07 02. Nous, on ne dure pas. Si tu sais que tu n'es pas prêt, voilà ceux qui étaient prêts là, il y a une qui est en train d'aller chercher pour eux. Si tu n'es pas prêt, tu ne m'appelles pas. Je n'ai pas d'informations à donner à quelqu'un qui veut venir dans la vague de l'année prochaine. Parce que nous, on n'est pas une agence, on le fait par saison. Donc après cette saison, la prochaine saison, c'est dans 2 ans. Voilà, nous, on le fait par saison. Voilà pourquoi on prend un homme très restreint. Là, là, on prend juste 10 personnes. Il reste une place qui s'est libérée parce qu'il y a une dame qui vient d'avoir son visa. Terminé. Dès qu'on a la 10e personne, on ferme. T'es pas prêt, faut pas m'appeler. Tu ne m'appelles pas. Mais je ne suis pas là pour te donner renseignements. Et si on s'écoutait, sois salué depuis ta position. Je te fais plein de bisous depuis ta position. Je ne sais pas si je vais dire grand frère ou si je vais dire papa. Sois salué depuis ta position. Voilà. Donc, si c'est la famille, c'était ça. Soyez très concentrés. Soyez très concentrés. Ne rentrez pas dans la médiocrité. On peut dénoncer sans insulter. Il faut qu'on soit capable de leur montrer que le mauvais comportement se trouve de l'autre côté maintenant. Et que, en temps normal, un cas qui est un cas, elle ne rentre pas dans certaines choses. C'est ça le vrai point. Et vous laissez la justice faire leur travail. Ils vont vous pousser à bout. Moi-même, ils ont fait avec moi. Ils sont faits avec moi. Ils me poussent à bout, sous toutes les formes. On envoie les gens insulter mes parents. On envoie tout. Je dis, je ne suis pas parent de quelqu'un. C'est tout. Il y a une justice qui est là. La justice va s'occuper de ça. Et puis c'est tout. Voilà, donc restez concentrés, sécurisés, partagez ce live-là. Envoyez ce live-là à toute personne qui défend honnêtement Emmanuel Keïta. Au moins, c'est la petite contribution que moi, Maya, il peut vous apporter. Voilà. Même si c'est comme la petite contribution, là, au moins, il peut vous apporter ça, vous dire cette vérité-là. Pour ne pas que vous puissiez commettre les mêmes erreurs du passé. Parce que par le passé, moi, je sais comment je vous ai vu. Je vais fermer le trou là. Pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse vous avoir là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Par le passé là. Comment il a dit qu'il allait régler pour moi sur la toile ici là. C'est pas, il sait qu'il y avait une partie des jus. Donc quand ça arrivait loin là, il a pris un jus contre un jus. Je me suis défendu à ça. Elle aussi, c'est ce qu'elles ont fait la première fois. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Il faut que les gens n'arrivent pas à vous cerner. Pour mieux avoir ton ennemi, il faut qu'ils n'arrivent pas à te cerner. Donc souvent, mets-toi à l'image de la personne que tu défends. Est-ce que vous, ça vous fait mal puisque la personne de qui on parle ses enfants, la personne de qui on parle ses enfants là, est-ce que vous, ça vous fait mal puisque? Mais regardez comme elle aime. Faites même chose. Si vous voulez faire quelque chose là, vous prenez, vous dénoncez. Ça sert à rien d'aller dans mes cons, ça sert à rien d'aller insulter leurs parents, ça sert à rien de... Non! Vous prenez, vous dénoncez. NCI là, ça a fini tout de suite là. Émission en fait là, ça a fini. Quand ça a fini, quand elle va arriver sur le territoire français, elle va prendre toutes les dénonciations là. Et puis elle va s'engager pour un procès. Et on va l'assister pour ce procès là. Et il n'y a rien contre elle. On va aller avec ça. Ce que chacune a dit, chacune va répondre devant la loi. C'est simple. Donc sur ce, prenez soin de vous. Voilà. Voilà, si vous prenez soin de vous, que Dieu vous garde en ensemble. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 79 17 07 02. En ensemble, la famille. Ciao, ciao.